Donc, bienvenue à cette formation sur une introduction à Covidence. Donc, je suis Frédéric Seguin, technicien en documentation. Je travaille à la Bibliothèque de la Santé. Et Ève Baribeault sera ma collègue qui m'accompagne aujourd'hui pendant la formation. Elle s'occupera de gérer les questions via le clavardage et les questions. Donc, bonjour Ève. Bonjour à tous. Donc, sans plus tarder, et à noter que la session va être enregistrée. Elle est enregistrée et c'est nous qui allons s'occuper de la diffuser ensuite sur le site web des bibliothèques. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez à faire. Les questions, comme je disais, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Puis, elle va s'occuper de m'interrompre ou de voir pour appareiller les questions à la fin. Donc, Covidence. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, on peut se faire en généralité au début sur Covidence. Alors, on va se créer un compte, créer une nouvelle revue, voir les importations de références. Donc, vous voyez vraiment l'entièreté des options disponibles dans le logiciel. Puis, en fait, c'est une plateforme, donc c'est un outil qui est web, qui permet, dans le fond, de gérer les résultats d'une recherche, d'une méta-analyse et revue de la portée. C'est optimisé pour ce type de revue-là, mais si vous faites simplement une revue de la littérature, c'est un outil qui est super intuitif, puis vous pourrez vous en servir pour, dans le fond, une revue de littérature, faire le tri de vos références et ensuite de ça, quand c'est seulement les références que vous voulez citer dans votre mémoire, dans votre article. Ils seront déjà, vous pourrez les renvoyer dans une note ou dans Zotero, un autre logiciel de gestion bibliographique. Vous pouvez utiliser ça en équipe. Puis c'est accessible, justement, ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel support avec Internet permet d'accéder à Covidence. Donc, c'est-à-dire que présentement, ce n'est pas le cas, là, mais vous pourriez être dans le transport en commun ou sur votre sofa, votre balcon et accéder dans le fond, faire le tri de vos références confortablement, pas nécessairement besoin d'être assis devant l'ordinateur. D'ailleurs, j'ai une collègue qui me disait qu'elle avait vu au début de l'hiver une étudiante filtrer ses références là, dans le métro, donc ça peut se faire facilement. Donc, où intervient Covidence dans le processus d'une revue exhaustive ou d'une revue de littérature? Donc, vous avez déjà rédigé votre question de recherche, vous avez rédigé votre protocole pour les revues thématiques, mais vous savez où vous en allez. Bref, vous avez fait votre stratégie de recherche, préférablement, vous avez consulté un bibliothécaire disciplinaire qui vous a aidé dans la construction de cette recherche-là. Et où intervient justement Covidence? C'est dans la partie qui est en bas. Donc, retirer les doublons, lire facilement les résumés, les titres, les résumés, retirer ce qui n'est pas pertinent, lire les articles, on pourra ajouter les PDF et effectuer l'extraction, donc vers un formulaire et faire la revue de la qualité de l'article. Donc, se créer un compte, je vous envoie les informations avant la formation, mais ce que vous pouvez faire peut-être, c'est juste vous réexpliquer pour qu'on comprenez bien la mécanique. Donc, toutes les personnes qui ont vous devez premièrement utiliser ce lien-là, le lien que je vous ai envoyé. Si on voit à l'écran, c'est écrit Covidence, organisation, c'est un lien spécifique à l'Université de Montréal. Et lorsque vous vous inscrivez, vous utilisez votre adresse sur Montréal et ça vous permet d'avoir, de créer autant de revues dans Covidence que vous le voulez. À partir de ce compte-là, donc vous acceptez l'invitation, vous créez votre compte. À partir de ce compte-là, vous pouvez inviter des gens de l'extérieur de l'Université de Montréal. Donc, ça ne prend qu'un membre pour inviter d'autres personnes. Les autres personnes ne sont pas obligées d'utiliser leur compte de l'Université de Montréal pour participer à votre revue de la littérature. Donc, ça peut être super pertinent pour une collaboration, admettons, dans un hôpital. Ça peut être pertinent à une collaboration entre chercheurs de différentes institutions ou simplement parce que vous préférez utiliser votre compte Gmail. Donc, on va y aller.
si vous avez, j'ai plusieurs onglets d'ouverts parce que vous avez plusieurs, je me suis déjà connecté à la plateforme, donc via covidence.org, puisque j'ai déjà créé mon compte, je peux y accéder, dans le fond, à partir de covidence.org. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, bien, vous devez vous inscrire. Donc, comme je le disais, sous l'onglet « See current reviews », j'ai, dans le fond, plusieurs revues que j'ai déjà fait auparavant ou qu'en fait, j'ai jamais fait de revue de littérature, mais en fait, de revue systématique moi-même. Mais ce sont des exemples pour les formations. Et dans le fond, vous pourrez, on va en créer une nouvelle. Donc, si je clique sur « Start new », donc, ce menu-là apparaît. On voit, est-ce que vous pouvez créer une revue Cochrane ou non? Si vous, votre compte doit être créé auparavant dans Cochrane, si vous voulez faire une revue de la littérature Cochrane, donc ça ne fonctionnera pas. En rentrant le nom de votre revue de la littérature, vous devez utiliser un nom unique. Donc, il ne peut pas y avoir dans Covidence deux revues de littérature qui se nomment de la même façon. Donc, pour ma part, je vais l'appeler Formation 2005. Et ici, si on ne fait pas attention, je fais simplement Click Review, ça ne fonctionnera pas. Donc, je dois vraiment sélectionner mon organisation à laquelle je suis rattaché. Vous avez accepté l'invitation. Ça permet justement d'ajouter à votre compte le compte de l'Université de Montréal, ou les accès de l'Université de Montréal. Donc, une fois que j'ai cliqué sur « Create Review », j'arrive dans cet onglet-ci qui se trouve dans les « Settings », donc dans les paramètres de notre revue de la littérature. Et si je clique, donc ici, je peux inviter d'autres gens. Donc, j'ai juste à rentrer, comme je disais, c'est assez simple, il n'y a pas de filtre, on rentre le nom de la personne, son courriel, et la personne ensuite reçoit un courriel d'invitation. Donc, on va commencer par le premier onglet, qui est à la gauche. Donc, on voit ici que je pourrais toujours venir changer le nom de ma revue si je le vois dans... si on veut changer dans le futur. Et ici, on a le champ « Search Strategy ». Et l'enfant pourrait rentrer notre... si on n'utilisait qu'une seule base, on pourrait rentrer notre stratégie de recherche. Toutefois, on a souvent plusieurs, dans une revue de la littérature, on a souvent plusieurs stratégies de recherche. Donc, peut-être garder ces informations-là dans un fichier Excel. On a un excellent gabarit sur notre site web qui est disponible avec plusieurs bases de données, les plus populaires en sciences de la santé. Donc, je vous conseille peut-être d'aller chercher ce gabarit-là. Ensuite, on a Review Settings ici. Donc, si jamais on a besoin de plus, par défaut, dans une revue Cochrane, on a besoin de deux personnes différentes qui trient chacun des articles. En fait, pour les revues systématiques, donc qui trient chacun des articles et qui regardent aussi au niveau de l'analyse du texte intégral. Pour les besoins de la formation, je vais mettre juste une personne. Par contre, on pourra voir dans mes autres formations, dans mes autres revues de la littérature, là, que pour ce qui se passe quand on a plusieurs réviseurs, reviewers. Si je m'en vais dans Team Settings, et là, je n'ai pas fait Save, je vais faire Save. Ça va me permettre d'aller dans Team Settings. Et ici, je peux, dans le fond, voir la contribution de chaque membre. Et en fait, je vais commencer par vous montrer les règles. Donc, disons que il n'y a personne. Je vais prendre une autre revue. Donc, j'ai plusieurs onglets. On a fait quelques tests avant la formation. Il n'y a pas de vote dans celle-ci. Elle, on a travaillé un petit peu plus à l'intérieur. Et je vais aller voir le team setting, justement. Donc, on voit que les contributions de chaque personne, qu'est-ce que chaque participant a fait. Et on peut dire aussi, toutes les études doivent être vues par
le responsable, je l'ajoute par Ève. Et une troisième personne pourrait dire, ben, j'aurais peut-être dû choisir responsable ici. Donc, je peux toujours le changer. Et dire, c'est le deuxième auteur. Donc, les deux premières personnes font le premier tri. Et s'il y a des conflits entre leurs tris, on va parler des conflits dans quelques instants. Une fois que s'il y a des conflits, mais c'est le responsable qui va gérer, est-ce que oui ou non, là, l'article passe à la prochaine. Je vais revenir dans ma revue Vierge. Donc, sous critères et exclusion, les raisons d'exclusion. Donc, ce sont des informations qu'on va aller chercher qui vont nous permettre de... qui vont nous rappeler quels sont nos critères d'inclusion et d'exclusion dans l'affichage de lorsqu'on fera le tri. Donc, admettons, tout à l'heure, les fichiers que je vous ai envoyés, les fichiers ARIES que vous avez peut-être téléchargés, vont parler du diabète. Donc, si je veux rentrer tout ce qui contient le diabète, est-ce que je veux aussi rentrer peut-être mellitus? Je veux aussi dire que c'est pour les adultes. Et on veut écrire tout ce qui est animals, les souris, peu importe. Je veux pas le type 1, c'est le type 2 qui m'intéresse. OK. Ensuite, lorsqu'on à l'étape de... puis on voit que Covidence est très orienté vers les sciences de la santé. Et à l'exclusion, si on veut retirer un article, on peut venir paramétrer, on peut en fait effacer quelques raisons d'exclusion. Puis on pourrait dire ici, mettons, mauvaise rédaction, quelque chose comme ça pour mauvais article, peu importe, pour dire que finalement, l'article n'est pas valide. C'est la raison pour laquelle on l'a exclu de notre revue de littérature. Oups. Ensuite de ça ici, je vais peut-être grossir, j'ai eu le commentaire ce matin, que c'était peut-être pas assez gros. Donc, cliquez sur Manage Highlights. Et les highlights vous permettront de voir facilement dans vos résultats de recherche. Lorsqu'on fera le filtre, on le verra tout à l'heure. Donc, on fait le paramétrage ensemble. L'inclusion et l'exclusion, on verra les mots en vert et les mots en rouge selon ce qu'on a spécifié ici. Diabetes. Ici, je pourrais rentrer justement pediatrics. Puis dans le fond, child, mice, donc animals, j'essaie de j'ai une liste préétablie, mais comme j'ai de la misère, je fais toujours un peu d'improvisation, puis des fois ça me sert pas très bien, donc j'essaie de me faire une liste et de la suivre. Ensuite de ça, on a des tags, des mots-clés qu'on peut ajouter à nos articles. Donc, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un doublon qui n'a pas été repéré? Parce que, bon, comme tout outil automatisé, il y a parfois des doublons qui ne sont pas repérés. Ça pourrait être aussi un moyen de dire, est-ce que c'est une étude qui est en cours, qui a été publiée ahead of print? Donc, il faudrait peut-être revoir sa nouvelle version lors d'un deuxième lancement de notre recherche. Puis, il faut faire attention, si j'ajoute quelque chose comme très intéressant, comme tag, est-ce que ça peut faire un biais de sélection avec mon prochain collègue qui va faire le tour, il va voir mon autre collègue a mis ça comme très intéressant, donc
faut éviter les biais. C'est justement un des avantages de Covidence, c'est d'éviter les biais. On ne sait pas qui a voté, oui ou non, vraiment avant d'avoir, quand nous on fait la révision, on ne sait pas qu'est-ce que nos collègues ont choisi. Donc, c'est un avantage quand même assez intéressant. Donc, j'ai fini finalement de faire le tour de la partie settings. C'est important, donc avant de commencer, que vous décidiez déjà, est-ce que j'ai deux réviseurs, est-ce que j'ai deux personnes, tu sais, surtout les gens qui ne travaillent pas en équipe, si vous travaillez seul ou vous travaillez avec un collègue, choisissez tout de suite les informations. Moi, je suis dans un test présentement, mais si vous changez au fur et à mesure les options, bien, ça peut avoir un impact là, sur votre analyse. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, j'ai présentement aucune référence dans ma revue de la littérature, donc je vais aller en chercher. On va prendre les fichiers. Si vous voulez le faire à la maison, vous êtes du type rapide, vous pouvez le faire en même temps. Toutefois, si vous êtes à l'aise là, juste de suivre, il n'y a pas de problème. Ça dépend toujours des types d'apprenants. Donc, on veut importer les fichiers à partir de Screen. Donc, on veut faire notre premier tri. Donc, on veut les importer dans la première catégorie. Et ensuite, on va aller chercher notre fichier qui provient d'une base de données. Donc, admettons, je vais choisir la première. Ça vient de Embase. Et je vais importer les résultats. Donc, je pense que 160 articles, c'est pas beaucoup. Ça peut prendre un certain temps, comme c'était écrit, si jamais vous avez beaucoup de références. Je sais pas si quand vous êtes connecté, vous avez peut-être vu, il y avait une annonce ici en haut à gauche. Vous avez peut-être remarqué que l'interface de PubMed a changé dans les derniers jours. Donc, ça a également changé les options d'exportation. Mais Covidence s'est adapté. Vous pouvez exporter là, en format PubMed. Il faudrait que j'aille voir, mais le format est toujours compatible, bien sûr. Fait que vous pouvez continuer d'importer vos résultats. Je vais faire la deuxième importation. Après, on pourra voir qu'est-ce qui arrive là, quand on va voir le détail. Donc, encore à la même étape. On importe. Et là, on va voir également tout l'historique d'importation. Si vous faites une deuxième recherche plus tard, vous reroulez votre interface de recherche, votre recherche dans un moteur, et vous faites une deuxième importation, on va voir tout l'historique ici. On peut voir que l'outil a déjà enlevé quelques doublons, et il y en aura encore plus lorsqu'il aura fait l'analyse des deux importations de Medline et Embase. Peut-être un bon moment pour prendre des questions pendant que le logiciel, est-ce qu'il y a des questions ou en avez-vous jusqu'à maintenant? Pour le moment, il n'y a pas de questions, Frédéric. Super. Donc, ça peut prendre un certain temps. Et là, on va voir ici, il y a des duplicats qui ont été enlevés de cette recherche-là. Et si je reviens ici, ben, j'ai vraiment le détail de chacun de ces des duplicats qui ont été trouvés. Donc, celui qui est utilisé présentement, c'est celui-ci. Si je voudrais vérifier, si je voulais vraiment vérifier la différence, ben, je peux aller vérifier, là, voir, puis dire, ben, ça, c'est pas un duplicat. Tu peux le remettre dans la recherche. Oui. Il y aurait une question. En fait, il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il d'autres formats d'importation que le format RIS? Présentement, il y a que c'est, donc à partir de EndNote, le format RIS ou le format de PubMed. C'est quelque chose qui est en développement. Si jamais vous êtes dans une base puis vous ne pouvez pas exporter en RIS, c'est un autre format.
pouvez toujours nous demander, contactez-nous, puis nous, on pourra vous aider à envoyer vos résultats dans un logiciel de bibliographique, que ce soit EndNote ou Zotero, qui permettent, eux, ensuite, une exportation en format RIS. Frédéric, il y aurait une autre question. Est-ce qu'on a intérêt à vérifier les doublons? Je dirais que oui, mais je te laisse répondre. Oui. Peut-être pas. Vous pouvez vérifier les doublons. Je pense que l'outil est. Vous pouvez le faire. C'est sûr que sur des grands ensembles, quand vous avez plus de 1 000 résultats, l'outil est assez performant. Mais bon, ça dépend du type de revue que vous faites. Si vous faites une revue systématique, ça vaut peut-être la peine. Par contre, justement, là où je m'en allais avec les doublons, c'est que si vous faites un scoping review ou une revue de la littérature simple, vous pouvez envoyer tout directement dans Covidence. Donc, il y a un petit bémol, c'est qu'il y a quand même une partie des doublons qui ne sont pas repérés par Covidence. Mais c'est l'outil que Cochrane recommande. Donc, l'outil est satisfaisant pour Cochrane. Par contre, ce qu'on vous suggère, si jamais vous faites une revue de la littérature pour vous sauver du temps à la fin, c'est d'envoyer vos références dans EndNote ou dans un autre logiciel, mais EndNote m'apparaît le plus performant pour les doublons et le tri des doublons. De repérer les doublons, de noter. Par exemple, vous devrez faire votre Prisma à la fin, de le faire un peu manuellement, on le verra plus tard, et d'envoyer vos doublons en fait, de retirer vos doublons et d'envoyer le tout ensuite là, en format EndNote XML dans Covidence. C'est une étape de plus, mais EndNote, le premier tri dans Covidence est plus efficace que celui d'EndNote, mais à partir d'un logiciel bibliographique, on peut trier facilement par titre, par exemple, et voir facilement lesquels des titres sont pareils, exactement les mêmes. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un tri qui est manuel, qui est plus adéquat, qui est plus juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur les ajouts de PDF aux références, mais en fait, tu vas le voir tout à l'heure. Exact. Merci. Donc, les doublons, on a fait le tour. Et là, comme je vous disais, des fois, je fais un peu d'improvisation, juste aller voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, je parlais justement d'exporter les résultats par un fichier RIS. Donc, sur notre page web, on peut y accéder à partir de la présentation. Et je crois que je n'ai pas rendu la présentation disponible là, dans le dossier. Je m'en excuse. On pourra vous l'envoyer par la suite. Donc, ça vous amène sur le site web des bibliothèques et vous pouvez voir sur plusieurs bases de données, la majorité des plateformes qu'on utilise, comment exporter les résultats de manière adéquate. Donc, l'importation des références, on vient de le faire, et on pourra voir justement, une fois qu'on a importé les références, comment le tri s'effectue dans le logiciel, dans l'outil. Donc, je viens d'ajouter mes 200 résultats. Si je clique sur Continue ici, donc, Covidence, c'est fait de manière à. C'est le processus d'une revue systématique là, ou d'un scoping review. Donc, premier title, donc on va faire le titre et on va faire. J'ai juste le mot screening en tête. On va faire le tri au niveau du titre et du résumé. Ensuite, on va faire le tri au niveau de l'article au complet. Et ensuite, on va passer à l'extraction qui peut être faite à l'intérieur ou à l'extérieur de Covidence. Rendu là, c'est vraiment votre choix qui devra en fait
avoir été déterminé auparavant selon votre protocole de recherche ou qu'est-ce que vous décidez de faire avant de rentrer dans Covidence. Je vous conseille de savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous à la fin, quels sont votre rapport d'extraction, comment vous allez évaluer la qualité. On y reviendra plus en détail plus tard. Je commence finalement mon tri. Et ça se présente comme ça. J'ai mes deux sans référence à cliquer. Plus on va avancer, plus on va voir les résultats ici. Si je reviens dans celle dont je me suis servi tout à l'heure. Donc, on voit là, que je peux aller résoudre des conflits, qu'il y a des références en attente ou qui n'étaient simplement pas pertinentes. Si je reviens à celle qui nous intéressait, je peux filtrer par les mots-clés qu'on a mis plus tôt. Donc, si je double-clique ici, si j'ai mis doublon ou étude, je peux trier par ça. Par contre, je dois les avoir associés à cette référence-là en premier. Donc, si je clique ici et j'ajoute un tag, donc admettons doublon. OK, il est bien là. OK. C'est bon pour ça. Donc maintenant, je peux filtrer. Mettons que je mets le doublon, bien, on peut voir justement les articles qui sont considérés comme des doublons. Donc, c'est pas très compliqué, là, mais on fait le tour de l'interface. On parlait tout à l'heure des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, on les a mis ensemble tout à l'heure dans la partie review, dans les review settings, donc dans les paramètres. Et là, ça me permet, je serais cliqué sur filter, ça me disparaît. Et on peut voir facilement, dans le fond, pendant qu'on fait notre tri, les options d'inclusion et d'exclusion. Je vais les cacher. Et ce bouton-là sur les highlights, ça me permet de voir facilement les mots qui sont inclus. Et les mots qui sont exclus, est-ce que j'en ai? Donc, protein ici, un mot plus général qui nous permet de voir cette option-là. Donc, ça nous permet de voir visuellement les mots-clés qui sont intéressants. Puis ensuite, de prendre une décision. Donc, sur chaque article, tout à l'heure, si vous vous rappelez, moi, j'ai vu que ça prenait un seul auteur. Donc, je peux cliquer sur une seule personne pour passer à la prochaine étape. Donc, si je clique oui, bien, ces articles-là sont considérés comme pertinents et s'en vont à l'étape de full text screening. Donc, de filtre plein texte. Si je clique non, bien, on sait ce qui arrive. Par contre, si on est deux réviseurs, s'il y a un conflit, c'est-à-dire que si je clique sur « oui » et ma collègue Eve clique sur « non », eh bien, ça va s'en aller dans les conflits ici. Et la personne qui est désignée, on a vu qu'on pouvait le faire tout à l'heure dans les règles. Donc, la personne qui est désignée pour résoudre les conflits, ben c'est « oui ». Je peux cliquer sur « oui ». Puis mettons ici, donc c'est elle qui va résoudre les conflits. Par défaut, c'est tout le monde. Je conseille de peut-être mettre quelqu'un en particulier. Et on voit également les références qui ne sont pas pertinentes. Et là, vous avez vu le bouton « Maybe ». Vous vous dites « qu'est-ce qui se passe si je clique sur « Maybe » ». Donc, l'équivalent de « Maybe », si on pourrait dire que c'est un « soft yes », si on le reste en anglais. Dans le fond, c'est si je clique sur « maybe » et Eve clique sur « yes », ça va passer à la prochaine étape. Si je clique sur « maybe » et que Eve clique sur « non », ça va s'en aller dans les conflits.
Donc, à ce moment-là, on devra réanalyser quand même ces articles-là à l'étape là, du filtre ici, le Resolve Conflicts. Et c'est plutôt simple pour cette partie-là, en fait, peut-être aussi vous... Donc, par défaut, sont affichés, sont les résumés s'affichent. Donc, je pourrais faire facilement cette étape-là là, sur ma tablette, sur mon téléphone intelligent. On voit ça va s'adapter à la grandeur de la fenêtre. Et donc, c'est ça, on peut ajouter une note pour l'article. Donc, ça peut être une note personnelle si je fais moi-même une revue de la littérature. Donc, c'est très intéressant pour mon intro. Mathieu, comme je vous disais, si vous êtes plusieurs, on peut peut-être induire un billet. Ce type de note-là, ou si vous en faites un tag également. Mais si c'est que pour vous, ça peut être intéressant d'utiliser ces options-là. La prochaine étape, ça va être le full text screening. Je vais aller à ma présentation. Comme je vous disais, ça me permet de m'assurer qu'on voit vraiment tout. Donc, on a vu la résolution de conflit. Et on va passer justement au texte intégral. Je vais vous expliquer le principe. Donc, vous voyez ici, il y a une option d'ajout des PDF par défaut. Donc, une fois que vous avez passé toute la liste du premier screening, vous pouvez même le faire avant, si vous êtes une grosse équipe, vous pouvez cliquer sur Bulk Upload PDF. C'est un peu, comment dire, c'est pas un bouton magique qui importe tous les PDF à partir de la collection de l'Université de Montréal. Il y a un petit peu de travail à faire de ce côté-là. Travail manuel, mais il y a des tutoriels. Nous, on va en mettre un au cours de l'été sur l'ajout de PDF. Donc, si je clique sur Bulk Upload PDF, en fait, c'est faux. Je dois en premier. Je révisais les étapes tout à l'heure, mais j'ai fait exactement la même chose. Je me demandais où est-ce qu'il se trouvaient mes options pour ajouter les PDF. Donc, je dois en premier exporter mes résultats qui sont rendus à l'étape de full text screening, donc de full text review. Je vais les envoyer selon mon logiciel bibliographique. La méthode peut être similaire. J'ai surtout fait avec EndNote, mais je sais que c'est possible avec d'autres logiciels. Donc, si on clique sur Export ici, donc ça serait possible avec Zotero également, mais je n'ai pas exploré là-dessus. Donc, j'exporte mes références, puis là, j'ai préparé les fichiers pour vous expliquer le principe. Je ne le ferai pas parce que ça va prendre un certain temps et vous n'êtes pas là pour me regarder mon écran. Donc, ce qui va sortir du bouton que je viens d'activer, l'option que je viens d'activer sur l'interface de Covidence, ça va me sortir un RIS comme ça avec un numéro de série. Donc, je pourrais l'ajouter ensuite de ça dans EndNote. Je pense que j'avais juste 4 articles quand j'ai fait le test. Donc, j'ai ces articles-là. Je vais les faire le... Je vais trouver les PDF avec EndNote. Et lorsque l'étape est complétée pour l'entièreté de ma base, je vais exporter avec EndNote. Venir ici, mettre ça en plein écran. Donc, je vais exporter.
Je regarde mes références, je pense que je n'ai pas pris la bonne chose. Donc, je vais exporter en format XML ma base. Juste ici. Et l'output styles, ça va être en RIS. Il me semble. Sur mon PC, c'est pour ça. Ensuite, je clique sur Save. Ça va me ramener ici. J'aurai créé mon fichier XML que finalement j'enverrai. C'est là où j'étais tout à l'heure dans Covidence. Je vais récapituler. Je sais que je vais quand même rapidement. Donc, je suis dans Full Text Screening. Quand je clique là-dessus, j'ai mon merveilleux bouton Book PDF Uploads, Book Upload PDF. Et là, je vais aller choisir mon fichier en tant que tel. Là, s'il trouve ou non des références, je pense que la base que j'ai prise, il n'y avait aucun résultat, là, ça n'a rien à voir. Il va me demander de... Donc, j'ai envoyé mon fichier XML. Est-ce qu'il retrouve des références dans mes articles sur Covidence? Ça va l'indiquer ici. Et ensuite de ça, je vais devoir ajouter manuellement. Puis là, c'est ça que je vous disais, c'est un peu... si vous trouviez déjà ça un petit peu complexe... Donc, on va devoir ajouter, avec OneNote, ça fonctionne bien, on va juste rajouter le fichier PDF, on va glisser, le déposer dans le logiciel ici, dans l'outil, et ça va fonctionner, il va faire le match là, avec ce qui a été trouvé. Avec d'autres logiciels ou avec d'autres façons de faire, ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir chercher des PDF manuellement et on va devoir, là, je voudrais que le Mac n'est peut-être pas la meilleure interface pour ça, mais je vais d'abord chercher mes PDF, les mettre dans un même dossier et les envoyer dans Covidence et les aura ajoutés. Donc, on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc, je récapitule. On exporte en format... on va revenir ici. On exporte en format... Je finis ma phrase, je vous garantis. On exporte en format RIS, on ouvre OneNote, on ajoute les PDF. À partir de OneNote, on exporte un XML. Ce fichier-là, on l'envoie dans Covidence. Ensuite, Covidence nous dit, OK, ça fonctionne avec GT référence, j'ai ton match avec OneNote, envoie-moi les PDF. Et c'est à ce moment-là qu'on envoie les PDF. Donc, à partir de OneNote. Pour ceux que ça n'a pas fonctionné, je vous vois déjà venir avec votre question. Vous pouvez les rajouter manuellement. Donc, je vous ai montré la méthode automatique. Mais c'est aussi possible de le faire ici. Donc, on voit, on a les mêmes options avec inclure ou exclure et pas de maybe ici. Donc, j'inclus ou j'exclus. Je clique sur le DOI. Ça m'amène directement à la page de l'article. Et là, je peux télécharger manuellement cet article-là et l'ajouter dans le fond. Je clique sur Add Full Text ou je peux mettre l'URL. Si l'URL n'était pas là, je peux mettre le lien direct vers ma base de données. Donc, tout ça, bien sûr, doit être fait dans le respect des licences des bibliothèques. Donc, au niveau du partage des PDF avec les collègues. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser le DOI. Et ensuite, on va continuer notre étape comme on l'a fait juste avant. Donc, c'est un outil qui est super simple.
suffit de comprendre la mécanique. Pour être franc, je vous disais au début, j'ai jamais fait de revue systématique, j'ai jamais participé, je connais l'outil, comment il fonctionne, mais à la fin, si vous avez besoin de conseils sur votre méthodologie au sens plus large, il faudra dans le fond, contacter votre bibliothécaire disciplinaire pour faire votre littérature avec vous, vous conseiller sur des méthodes d'extraction aussi. J'ai mes collègues à la bibliothèque Marguerite Dioville qui sont très ferrés dans ces informations-là, également mes collègues en santé aussi. Donc, on a les mêmes étapes, comme je disais ici. Et là, je suis certain de ne pas oublier quelque chose. Donc, on a bien importé nos PDF. Vous pouvez consulter ce guide-là, dans le fond, pour aller voir. Je pense qu'il y a une vidéo sur l'importation, mais nous, on est en train d'en développer un qui va être disponible sur le guide Covidence. Donc, il y a un guide sur la page des bibliothèques auquel je vous conseille d'aller jeter un œil après la formation. Donc, il y aura la présentation, mais il y aura également le guide auquel vous pourrez vous référer. On y ajoutera également des capsules au fil du temps et également le vidéo qui sera disponible, la vidéo de la présentation qui sera disponible. Est-ce qu'il y avait des questions pour l'instant? Habituellement, c'est une formation qui est donnée en personne. Donc, on prend vraiment les fichiers un par un. On s'assure que tout le monde a bien parti sa revue de littérature. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Si on réussit pas à y répondre, il n'y aura pas de personne qui va te laisser derrière. On va réussir à trouver quelqu'un qui connaît la réponse. Donc, il y aurait une question assez générale. En fait, ce serait quelle est la grande différence entre Covidence et Zotero et tout type de logiciel de gestion de référence bibliographique? Donc, entre Covidence et Zotero, je vous dirais que la Covidence va vous permettre de faire le tri. C'est une interface qui vous permet de faire votre revue de littérature, de faire les étapes de tri et d'extraction facilement. Si vous utilisez un logiciel comme EndNote ou Zotero, vous pouvez utiliser ces logiciels-là pour faire le tri, pour faire ces étapes-là. Par contre, c'est plus difficile d'obtenir, de ne pas savoir qui a voté quoi, de gérer vraiment le processus de révision. Et si vous êtes seul ou si ça se fait avec Zotero ou d'autres méthodes, là, je sais qu'il y a plusieurs méthodes disponibles. Je vous présente un outil, mais c'est sûr que si vous utilisez EndNote puis vous regardez ou Zotero, vous regardez référence par référence, vous ajoutez des notes, c'est quelque chose qui se fait. Toutes les méthodes sont bonnes. La méthode qui est la meilleure, c'est la méthode qui vous convient. Mais si vous faites une revue systématique, un scoping review, c'est sûr que vous êtes mieux de passer par Covidence. Ça simplifie beaucoup les choses. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou est-ce que j'ai bien répondu? Oui, tu as bien répondu, mais il y a une autre question. Donc, on te demande, sera-t-il possible d'exporter toutes les références avec les mots-clés et les notes enrichies dans Covidence? Donc, exemple, accepter, conflit, valider, dans le fond, toutes les notes qui ont été ajoutées. Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr de qu'est-ce qui est exporté, mais je serais porté à croire que oui. OK, je vais faire une recherche sur Google. Oui, le site est vraiment bien fait aussi, si vous voulez vous référer. Um,
Donc, tag reference added to, tags added to your reference in Covalence, now export to Excel. Donc, il va y avoir une colonne spécifiquement là, pour vos tags lorsque ce sera lorsque vous ferez l'exportation. Bien sûr, ça dépend. Il y a plusieurs types d'exportation. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai exporté vers EndNote, mais si vous l'exportez vers Excel, vous allez justement avoir cette colonne-là qui va s'ajouter. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je vais passer plus à la question de l'extraction. L'extraction peut être faite à l'intérieur de Covidence, mais il y a également beaucoup de gens qui vont justement sortir à partir de cette étape-là. Là. Après l'extraction ici, disons qu'on est on est rendu ici à 10. Je vais juste revenir. Donc, on les a tous passés ici. Il n'y en avait pas tous, mais on a 11 études à exporter. Là, je m'excuse, j'y vais, je reviens dans l'interface. Donc, je voudrais réexporter après le filtre. Et là, je vais faire celles qui ont été incluses dans ma recherche. J'ai fait le screening, titre et résumé. J'ai fait le c'est difficile de traduire. J'ai fait le filtre texte intégral. Et maintenant, je veux envoyer en CSV. Mes informations là, dans Excel. Et ensuite de ça, ça sort à cet endroit-là. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça parce que les filtres qui suivent, les étapes qui suivent, qui sont faites dans Covidence, sont orientées sur les sciences cliniques, donc les études qui sont cliniques souvent. Puis des fois, c'est juste aussi les manières de fonctionner. Peuvent fonctionner, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du cas par cas, à partir de l'extraction, si tel ou tel formulaire, tel fonctionnement vous convient, ça reste vraiment votre choix. Je vais partir d'une revue qui a absolument rien. Je vais juste... Je sais que je vais rapidement d'une étape à l'autre, donc si on est dans le full text review, je dois choisir une option de refus. Donc, on va... il faut que j'en inclue si je veux les retrouver dans l'extraction. Donc, je vais les inclure. Bon, quelques exemples. Donc, on n'en a plus en attente. Je m'en vais dans l'extraction. Et là, on peut voir ici toujours notre même interface. Notez qu'à chaque étape, on peut toujours renvoyer l'article à l'étape précédente. Donc, si on considère que peut-être qu'elle n'avait pas rapport ici, finalement, elle aurait dû être exclue, elle n'aurait pas dû, ou quand on est en full text review, on se dit, elle n'aurait pas dû passer celle-là, ou on s'est trompé dans dans nos votes, mais on peut toujours la renvoyer à l'étape précédente. Et c'est une des raisons aussi pourquoi je vous dis de pas jouer trop avec le paramétrage de l'étude, de la revue, parce que justement, ça peut faire en sorte que vos études, vos articles vont passer à l'étape suivante sans que vous ayez trop de contrôle dessus. Donc, vraiment pensez à votre chose... j'ai juste le mot chose ou affaire qui me vient en tête. Donc, pensez à votre méthodologie avant de passer à dans le fond à Covidence. Sans plus tarder, on va regarder l'extraction. On peut décider qui va faire comme avec les autres étapes, mais pour chaque article, on peut dire et je crois encore une fois que je vais passer à ma section préférée qui est celle-là ici. Donc, ma revue préférée plutôt. Donc, j'ai mon j'ai Eve et moi qui seraient les premiers. Donc, la personne. Je m'excuse, là, ce test-là est un peu de l'improvisation. Donc, je clique sur Save.
Et on voit que j'ai assigné des personnes. Et je pourrais aussi dire, bien, ça sera telle autre personne qui fera le consensus. J'ai probablement joué aussi avec les options. C'est pour ça que ça apparaît de manière particulière ici. Et je veux revenir. Donc, je vous ai montré pour les études. Je suis fatigué. Si je veux mettre des reviewers précis sur chacune des étapes, je peux le faire. Par contre, pour l'étape de l'évaluation de la qualité, je peux cliquer ici sur Start Quality Assessment. Et là, vous pouvez choisir de regarder les Risk of Bias de Cochrane, donc qui sont orientés plus cliniques, comme je vous disais. Ou sinon, bien, vous pouvez faire votre propre formulaire d'évaluation de la qualité, donc Quality Assessment. Lorsque je clique là-dessus, bien, je dois moi-même rentrer le nom des billets possibles. Donc, mettons que c'est une étude ici, elle n'est pas pertinente pour telle ou telle raison, bien, je peux l'indiquer ici. Donc, je peux avoir plusieurs. Je peux ajouter plusieurs questions, plusieurs critères à regarder. Et je vais aller vous montrer. Je pense qu'ici, on avait. Donc, ça, c'est, je pense, le Cochrane. Donc, on a vraiment tous nos, toute notre séquence. Est-ce que les participants de l'étude étaient blindés? Est-ce qu'ils étaient à l'aveugle? Donc, je dois faire un. Les traductions me viennent facilement littérales, donc je dois juger de la qualité de l'article sur cet aspect-là. Donc, vous pouvez faire vous-même votre propre formulaire ou même modifier celui de Cochrane pour décider que, dans le fond ici, je peux ajouter ou éditer chacune des catégories. Je pourrais la renommer, donc. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais disons que c'est ça que je veux faire. Je peux le modifier comme ça. Et on voit ici que j'ai une étape qui est le PDF. Je vais juste venir ici. Je vais ajouter un PDF. Qui est celui que je vous ai envoyé plus tôt. Lorsqu'on fera l'évaluation de la qualité, ben, je pourrais dire ici dans l'article, je juge que pour le blinding of participant and personnel, pour avoir un billet. Les enveloppes de médicaments n'étaient pas opaques. Donc, puis ça va nous dire justement quand je vais faire la revue, quand on va passer à l'étape du consensus, on va pouvoir voir justement. Où est-ce que vous avez fait votre jugement? S'il y a des différences entre les deux réviseurs, eh bien, vous pourrez les voir facilement à l'étape de la révision. OK. Je dirais que j'ai terminé. Ici. Je reviens. Super. Est-ce qu'on en a qui étaient débutés? Déjà, je pense que oui, ici. J'aurais aimé ça vous montrer la fenêtre de consensus, mais je pense que je ne me suis pas bien préparé. Et elle n'est pas disponible.
On va passer à la prochaine étape qui est l'extraction. Ben, je peux peut-être aller vous montrer en fait dans les diapos. Je suis pas mal certain que c'est là. Donc, on voit l'évaluation de la qualité. C'est l'extraction qu'on va voir dans quelques instants. C'est pas la fin du monde. Donc, on voit que l'extraction ici, que vous pourrez ensuite envoyer dans Excel, vous pouvez remplir avec le PDF juste à côté les informations. Donc, qui est basé sur le PICO, donc la population, critères d'inclusion, d'exclusion, pourquoi qu'est-ce qui se passe avec cette intervention-là. On peut ajouter des interventions. Si je crois que, par exemple, dans cette étude-ci, on est peut-être un petit peu plus... Donc, on a mis les interventions chirurgie et physiothérapie. Si je veux ajouter un descripteur, je peux, donc admettons, pain. Et là, je peux aller mettre, augmenter 6 mois, par exemple. Vous voyez, mais en fait, ça c'est l'intervention. Mauvais choix. Donc, et ici, c'est là qu'on mettrait les outcomes. Donc, on viendrait mettre ce qu'on avait dit à la base. Donc, ce qu'on voulait qu'il arrive. Et surtout, si on fait une méta-analyse, bon, on peut aller rentrer les données directement d'extraction à cet endroit-là. Donc, je me suis peut-être fourvoyé là-dedans. Comme je vous disais, je ne suis pas un expert de cette partie-là. Mais j'ai plein de collègues qui se connaissent très bien dans l'extraction des données et je vous y référerai avec plaisir. Puis, une fois qu'on a complété l'extraction, je parlais de l'étape de comparaison tout à l'heure, de consensus. Eh bien, on a réussi à en trouver une qui est ici. Et là, on voit la différence entre nos deux réviseurs, donc responsables, dit qu'il y avait un haut risque de biais avec les informations. Et on peut y aller, là, il n'y a aucune, il n'y a pas de données à l'intérieur, mais vous voyez le principe. Et on peut également faire la même chose pour l'extraction. Donc, allez voir la différence. C'est peut-être un petit peu plus parlant ici. Donc, avec les commentaires de nos deux réviseurs. Et si jamais il y a des notes ou des décisions à prendre, on doit les indiquer ici. Et ensuite, on clique sur consensus. Oups. Et on revient ici. Et on doit le faire, on doit compléter là, pour les deux l'entièreté du formulaire avant de pouvoir extraire, justement. Et lorsqu'on a complété l'extraction, ben, comme avec les autres, et à noter que lorsqu'on a complété l'extraction, on retournera dans l'exportation. Juste vous faire noter ici que la première étude qu'on va analyser devient le modèle, le template pour toutes les autres études précédentes. Donc, si je vous disais tout à l'heure, vous pouvez paramétrer un peu votre formulaire, si vous le faites dans Covidence, votre extraction, eh bien, ce sera la première revue à partir duquel vous ferez l'évaluation de la qualité ou l'extraction des données. Vous pourrez obtenir le consensus. Vous pourrez faire le modèle à partir de cette première étude-là. Donc, ajouter des domaines, ajouter vos interventions. Et ensuite de ça, chacune des prochaines études qui seront analysées, on verra que ça utilisera le même modèle que vous avez utilisé ici avec le premier article, le review template.
Et une fois que vous avez terminé votre extraction ou votre processus, si vous décidez de sortir avant même l'extraction vers Covidence, si vous faites un scoping ou une revue systématique de la littérature, bien, vous devez mettre votre prisma, donc votre diagramme qui vous indique où vous avez, qu'est-ce qui a été fait, les raisons d'exclusion. Donc, je sais que tout à l'heure, j'en ai exclu pas mal. Si je viens cliquer sur le prisma ici. Donc, on peut voir les raisons d'exclusion. Donc, il y en a plusieurs, admettons, on peut voir l'arborescence, le vraiment le détail des raisons d'exclusion. Et on peut exporter ces informations-là. Donc, simplement les copier et les coller. Donc, à partir de là, si on a fait si on a enlevé les doublons une première fois avec Cochrane, avec EndNote, et on pourra justement venir bidouiller les chiffres ici pour que ça reflète de manière adéquate nos duplicats qui ont été enlevés. Et bien sûr, si on doit avoir noté combien de résultats on a retrouvés dans chaque base et combien on avait après, donc c'est préférable peut-être de passer par EndNote parce que ici dans Covidence, il va mélanger toutes les bases en une seule sans nous dire combien on a vraiment enlevé pour chacune. Est-ce qu'il y a des questions? Frédéric, il y aurait des questions, mais pour les étapes précédentes, oui. Je peux y aller, oui. Donc, est-ce qu'on peut évaluer en simultané ou faut-il le faire l'un après l'autre? Donc, quand il y a deux réviseurs, deux évaluateurs. Oui, vous pouvez réviser en simultané. Donc, si je reviens à cette... finalement, j'utilise toujours la même, qui est celle où on a fait le plus de travail. Donc, vous pouvez réviser, si je m'en vais... ici, dans Team Settings, donc, on voit que si vous êtes plusieurs, bien, vous pouvez réviser toute la gang, puis tous les articles. Il y en a qui ont un vote, bien, ils vont attendre que quelqu'un d'autre aille un vote. Donc, vous pouvez le faire ensemble, un à la suite de l'autre. Les articles vont attendre votre vote lorsqu'il y a une personne qui aura voté. S'il y a des conflits, ben c'est sûr que ça peut être fait seulement après que les deux personnes soient passées. Mais oui, là, vous pouvez travailler en simultané. C'est un des avantages de l'outil. Et aussi le fait que lorsque moi je vote, ben je sais pas quoi l'autre personne a voté avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, il y aurait une autre question. Je pense que tu lui as peut-être répondu. Donc, est-ce qu'on peut faire l'assemblage des résultats statistiques avec Covidence? Est-ce que c'est par rapport au Prisma? J'ai peut-être des précisions, mais je te laisse te répondre. Au niveau statistique, il faudrait peut-être, si vous pouvez peut-être préciser. Mais sinon, ça se ferait peut-être dans le processus d'extraction ou dans les outcomes où l'on viendrait mettre la moyenne au baseline, mettre le nombre d'interventions. Si vous voulez aussi m'aider, on travaille ensemble, donc le SE. Qui est ici. Et ça aussi, c'est paramétrable. Puis à ce moment-là, tout s'envoie dans Excel si je veux ajouter un time point. Mais c'est peut-être pas ça dont vous parlez. Donc, je peux, pour chacun de mes outcomes, venir choisir chacune des valeurs, je peux jouer sur les informations. Pour les logiciels d'extraction, il y en a plusieurs qu'on pourrait vous conseiller si ça ne correspond pas à vos besoins. Dans le fond, ma collègue va pouvoir prendre vos
prendre vos informations si vous avez mis votre nom dans le clavardage, parce qu'on essaie de garder le plus possible la session anonyme pour la rediffuser ensuite. Et donc, on essaiera de vous donner une réponse plus complète. Parfait, c'est noté de mon côté. Excellent, merci. Sinon, on vous encourage à consulter les ressources suivantes, donc particulièrement le guide Covidence, le guide sur les revues systématiques, la recension des écrits. Donc, si on veut le regarder ici, donc revue littérature, revue systématique. Donc, c'est très, très complet. Moi, je vous conseille de regarder ce guide-là avant de commencer. Et même... Si on regarde, je parlais tout à l'heure du fichier Excel de mon collègue, que mes collègues maintiennent. Bon, c'est pas nécessairement essentiel au reste de la formation. Sinon, je vous encourage à regarder aussi la liste de nos autres webinaires. Il y en a plusieurs. Chez Campbell SH, là, il y en a un qui se donne chaque jour de 10 à 11 heures. Il y a plusieurs informations. Les guides aussi de l'Université d'Ottawa et de l'Université de North Carolina qui donnent du support sur Covidence depuis plus longtemps que nous. Donc, leurs guides sont un petit peu plus étoffés. Et sinon, ben, contactez. Et là, je vois que j'ai... en fait, le numéro là, est encore bon. On prend les messages quotidiennement. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. On va vous rediriger vers les bonnes personnes ou à nous contacter directement aussi ou contacter votre bibliothécaire disciplinaire. Donc, à partir des liens que je vous enverrai là, dans la formation, dans la présentation. À noter aussi que la présentation contiendra plus de captures d'écran de toutes les étapes qui ont été effectuées. Donc, ce sera plus intéressant visuellement si vous voulez pas nécessairement regarder tout le webinaire ensemble, bien que je dois être un divertissement assuré, mais ce serait peut-être préférable de regarder le PowerPoint. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Super. Moi, ça me fait plaisir. Je remercie votre participation. Ça me fait plaisir de présenter l'outil aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis convaincu que c'est un outil qui est super efficace. Il suffit de l'adapter à sa main. C'est très adaptable. On peut sortir ou rentrer dans Covidence à l'étape que l'on désire. Puis aussi, deuxième message, contactez-nous si vous avez besoin d'aide. On est toujours là. L'équipe des bibliothèques est présente. Les bibliothèques sont ouvertes, fermées physiquement, mais tous nos services sont là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On répond assez rapidement à toutes les questions.